après des gens qui se montraient l'objet, effectivement, de procédure de la part... Effectivement, il y a eu 5 interpellations cette nuit. Il y en a 3, à mon avis, qui sont en lien vraiment direct avec ces faits et en tant que tels vont faire des poursuites sans tarder. On est bien convaincu, de toute façon, que les interpellations sont les premières interpellations et ce ne sont pas des gros poissons. Ce qui nous intéresse, c'est les meneurs, c'est les auteurs des faits les plus graves, et ça, on espère que c'est à venir dans les jours qui viennent. On a affaire à des gens quand même qui présentent un niveau, peut-être pas d'organisation, mais en tout cas d'anticipation important, qui sont cagoulés pour la plupart d'entre eux. Certains portent des gants, donc il y en a certains qui est plus difficile de retrouver des éléments d'identification. Mais bon, vous avez des manipulations qui peuvent se faire à main nue, etc. Donc on va essayer de trouver, que ce soit sur les projectiles qu'on a trouvés, que ce soit sur des briques que l'on peut trouver, sur des briquets, enfin vous voyez, toutes des choses qui peuvent avoir été utilisées pour commettre les dégradations, espérer de trouver là-dessus des empreintes qui soient exploitables.